أيها الحضور الكرام، شرفتنا مشاركتكم التشجيعية لنا بمناسبة هذا النشاط المدرسي الذي اعتادت مدرستنا على إحيائه. ولا يسعنا تلاميذ وأساتذة إلا أن نشكر السيد المدير وإدارة المدرسة والمؤطرين لهذا النشاط على ما يبذلونه من جهود من أجل إنجاح هذه التظاهرة الثقافية. Nous sommes proposés lors de ces deux jours d'étudier la problématique suivante, culture arabe, influence et rayonnement. Considérant que la civilisation arabe, tout comme les autres civilisations, est une civilisation ouverte qui traverse les frontières et dont on ne peut se détacher. C'est pour cela que le terme influence dans notre problématique signifie l'influence sur la culture arabe et l'influence de la culture arabe sur le monde. C'est dans ce contexte que nous comptons vous présenter tout au long de cette après-midi une pièce de théâtre, de la musique allant de l'Andalousie, avec M. Sbahi, M. Al-Alami et M. Sfrioui, ainsi que la musique de la culture anglophone avec certains élèves, en passant par des slams, des défilés. Bref, nous vous souhaitons un agréable moment avec nous. Merci. Nous passons la parole à notre proviseur, M. Richaud. Merci beaucoup. Je crois que j'ai plus rien à dire, ils ont tout dit. Mais bon, je ne pourrais pas quand même ne pas saluer nos invités, ne pas les remercier d'être parmi nous pour participer à cette semaine de la culture arabe qui revêt une importance particulière dans notre établissement. Je ne pourrais pas aussi ne pas remercier tous les enseignants ici présents et ceux qui n'ont pas pu être là, parce qu'il y en a même qui sont un petit peu malades, mais bon, qui ont participé à l'organisation et à l'animation de cette semaine. Tous les adultes de l'établissement qui sont ici, les parents d'élèves et bien évidemment les élèves sans lesquels cet établissement n'existerait pas. Alors je me rappelle quand je suis arrivé dans cet établissement en 2011, au bout de quelques mois, je découvrais le Maroc, je découvrais le lycée, je découvrais également l'OSUI et j'avais vu que la devise de notre association c'est « deux cultures, trois langues ». Et je disais, je me rappelle, une conversation avec les professeurs d'arabe où je leur disais que l'arabe était aussi important que le français dans notre établissement. Et les professeurs, à ce moment-là, me disant, ah oui, peut-être, mais il est où l'arabe dans l'établissement? On le voit vraiment pas beaucoup. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je me suis dit, mais tout est en français. Alors, on a travaillé là-dessus avec les professeurs documentalistes, avec d'autres personnes aussi, et on a commencé à faire des affichages en arabe, on a commencé à faire dans la médiathèque un rayonnage réservé à la culture arabe. Donc merci à tous, et je vais passer la parole à qui maintenant? À Monsieur Alami peut-être? Cher ami de l'association, élève de l'école Massignon, bonjour, je suis ravi d'être là parmi vous. On va parler de la musique andalouse. Déjà, le terme me dérange. C'est pas une musique strictement andalouse. C'est une dénomination qui est née bien plus tard. À la base, c'était une industrie. Quand je dis une industrie, ça veut dire qu'on l'appelait la fabrication de la musique. L'industrie de la musique. Sena'at al-Tarab. Et dans toute la terminologie de la musique andalouse, on va retrouver cette dénomination. Mais auparavant, je voudrais vous mettre dans le bain, dans cette dualité dont a parlé monsieur le proviseur. Et donc, je vais me mettre au milieu des enfants et je vais leur demander de faire un effort. Vous connaissez tous, il était un petit navireux. Très. Donc, on va s'amuser. Je demande de la chanter à voix haute. Il était un petit navireux. Un, deux, trois. Il était un. Rapidement. Petit navire, il était un petit navire qui n'avait jamais navigué, qui n'avait jamais navigué. Ohé, ohé, ohé. Alors vous faites tous de l'arabe. Vous connaissez les signes de l'arabe, l'ftha. Vous la connaissez. Alors on va la chanter, l'ftha, tous. Allez, je vous donne la première phrase comme ça, on se suit. Ala tata pata navara. Vous êtes capable de le faire? Allez, on le fait rapidement. Ala tata pata navara, ala tata pata navara, kanavaja ja ja manavaga, kanavaja ja ja manavaga. Alors, on parlait de cette musique. Cette musique, contrairement à ce que c'est pour ça que j'ai dit qu'elle n'est pas andalouse, pour faire court, elle a des origines arabes, elle a des origines
d'origine persane, elle a des origines grégoriennes, elle a des influences judaïques, elle a des influences africaines. Et donc c'est une musique à la base multiculturelle. Vous avez vu que ça, c'est une introduction non rythmée. Ça, c'est ce qu'on appelle la bourria. Alors, la bourria, ça veut dire c'est ce qu'on veut. On annonce qu'est-ce qu'on veut. À partir de là, on sait ce que l'orchestre va chanter, dans quel mode il va aller. Le non-instrumental. On va passer à l'instrumental pour aller vers Twisha. Et Twisha, c'est toujours en prélude. C'est bon? Tout le monde a compris, n'est-ce pas? Alors, nous avons une expérience qui est celle de la chorale de Dar el-Ala. Je crois que vous connaissez un peu de physique, surtout les élèves. Vous êtes des élèves de 5e, 4e, 3e. Alors, donc, bien sûr, vous avez déjà les 3e tzbakla, donc ça fait plaisir. Et donc, vous avez déjà enseigné, ou plutôt, vous avez déjà étudié, donc, la gravitation. Non, jamais. Ah, c'est dommage. Mais en tout cas, vous savez très très bien que la Lune tourne autour de la Terre. Vous savez bien que la Terre tourne autour du Soleil. Oui ou non? Alors, pour une simple raison, c'est laquelle? C'est que tout est attiré par le corps le plus massique, le corps qui a la plus grande masse, et vice-versa. Et c'est pour cela que si je laisse tomber, par exemple, ce micro, bien sûr, il va se casser, mais en tout cas, il va tomber. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il est attiré par la Terre. Alors, ce que j'essaye de vous dire par là, c'est que par quoi vous êtes attiré? Chacun de ces élèves, il est attiré par quelque chose. Il faut qu'il soit attiré par quelque chose qui va le réjouir, qui va le mettre en extase, qui va le mettre en valeur par rapport à ce qu'il aime. Alors, vous, par exemple, parmi vous, chacun, il écoute une musique. Mais est-ce que vous avez pensé à votre Maroc, à votre identité? Parce que de nos jours, qu'est-ce qu'on vit? On vit un Maroc pluriel. L'identité d'un Marocain, c'est quoi? C'est apprendre ce qui lui appartient, ce qui est dans ses... ce que leurs ancêtres leur ont enseigné. Pourquoi? Parce qu'ils nous ont appris la tolérance. Ils nous ont appris qu'il y a un métissage, un brassage. Un brassage entre quoi? Entre musulmans, juifs, chrétiens. Et nous sommes ravis d'être dans un pays comme le Maroc. L'association des amateurs de la musique andalouse, elle est présente ici pour toujours... faire avec vous et vous aider à transmettre cet héritage andalou. Inch'Allah, on sera très ravis que vous les jeunes, un jour, vous allez donc pouvoir donner votre âme, donner vos sensations et faire plaisir à un auditoire, à un public qui est toujours ravi de voir que le jeune Marocain
ou jeunes étrangers, ceux qui habitent au Maroc, portent le symbole de la musique andalouse, le symbole de l'art andalou, le symbole de la paix, le symbole de la tolérance. Je vous remercie et à très prochainement, Inch'Allah. Alors, on cherche Madame Sulayashiak. Je connais rien. على الشفاق قد سطرت حين غيبت زاد العاشق شوقا On va vous présenter deux morceaux de Chef Khaled et c'est La Vie et Aïcha. Bonsoir tout le monde. Nous allons voir une autre interprétation de Shams Al-Ashia par la chorale de Madame Jouaïdi, les élèves de 6e. Sur l'autoroute, il n'y a pas de bonnet, descendit
tous pour continuer. Descendez tous pour continuer. Les vitamines, c'est très très bien. Si tu les prends, wawon, tu perds rien. Si tu les prends, wawon, tu perds rien. Dans le frigo, wow, wow, c'est vrai, wow, 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 oh, très très chaud.